quiso decir la verdad. Il y a deux déclarations. Tu vas vous chercher ça dans l'événement précis. Une de Yam et une autre déclaration sur une presse, là, c'est pas écrit du moins de Rouen. Il y a un mois et demi, ils ont tous dit qu'ils prennent acte du parrainage, qu'ils ne seront pas aux élections parce qu'ils n'ont pas de parrain. Je ne mens pas. Ils ont dit ça, c'est écrit. Au moins, il y a tout, c'est écrit. Nous prenons acte. Événement précis. Mais, il se pose un problème pour Talon. Talon ne peut pas faire Mathieu, Talon. Il ne peut pas faire. Il ne peut pas. Ils ont d'énormes problèmes à l'intérieur. Il a besoin de co-jouer, de donner une apparence. Et ils sont aujourd'hui en train de les prendre, de les piper pour qu'ils viennent. L'homme qui peut déstabiliser, le discours qui peut déstabiliser, c'est le discours d'Azanel. Et maintenant, vous prenez les démocrates qui sont en train d'être créés. Vous savez, ce que je dis là, peut-être des gens ont dit ne pas dire, mais je porterai les débats devant la population, que la population tranche. J'ai dit, quand les démocrates voulaient créer, vous pouvez vous plaindre quand ils sont venus me voir. Je dis, en termes de stratégie, vous pouvez créer. Vous qui avez perdu votre partie, absolument. C'est normal que vous vous retrouvez sous une étiquette, sous un drapeau, sous un étendard. C'est normal qu'on sache que c'est vous. Mais vous ne pouvez pas être parti. Vous pouvez créer un mouvement. Mais si vous vous demandez mon expertise, je vais vous créer un mouvement. Mais ne portez jamais ce mouvement-là au stade de fatigue. Vous créez le mouvement, vous restez au stade de mouvement. Et vous demandez maintenant que tout le peuple vous aide à récupérer votre FCB et votre logo. Parce que c'est votre propriété dans l'opinion. C'est une légitimité. Vous ne pouvez pas, parce que si vous créez un parti, c'est inutile. C'est ce talent-là qui a volé FCB complet. Est-ce qu'il sera impossible pour lui de voler démocrate qui est une partie de FCB? Ce qui a volé le tout peut voler la tête. Mais ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas le faire. Il ouvre le tort en disant, mais vous le dites parce que vous avez un parti. Vous le dites parce que vous avez un parti. Vous ne voulez pas que vous avez un parti. Je dis, mais au moment où j'avais un parti, vous aviez un parti. Vous avez fait tomber votre parti dans les gueules du dictateur. Mais depuis là, est-ce que vous avez jamais vu mon parti se comporter un parti comme un parti? Je dis, je ne peux pas me comporter comme un parti, parce que le jour où je me comporte comme un parti, il vaut mieux renoncer à la vie. Est-ce que je suis allé tomber dans le pied des municipales? Est-ce qu'il y a une réunion des partis quelque part vous m'avez vu siéger? Je dis, c'est ça. Je dis, vous êtes dans une erreur. Parce qu'il y a trois manières par lesquelles on peut vous voler les démocrates, vous ne pouvez rien faire. Premièrement, on ne vous donnera pas de récipice. Vous ferez quoi? Vous allez me appeler pour vous dépendre? Je ne viendrai pas. Parce que vous avez bien dit ça. Deuxièmement, on va vous donner le récipice. Mais tardivement, le plus tardivement possible. On convoquera le corps électoral, on rentrera beaucoup de choses et tardivement on vous donne. Ça ne servira plus à rien. Mais on peut vous donner ça. Et aussi l'arracher. Parce qu'aujourd'hui, il y a pire que vous pouvez y avoir dans votre démocrate là. Pourquoi? La plupart des démocrates ont pris part aux élections municipales. Certains ont été élus qui sont démocrates. Certains sont, bien sûr, madame. Certains sont PR, sont démocrates. Certains sont FCB, vous pouvez y avoir, sont démocrates. Il a évolué lui-même. Il a fait une réunion de FCB chez lui. Ils ont fait la réconciliation. Ils ont fait l'issue commune. Tous, ils ont fait l'issue, ils ont donné des noms à Yahoo. C'est une haute trahison de la résistance. Je ne suis pas en train de m'amuser avec ma vie. Comment peut-il faire ça? Donc, si Yahoo n'avait pas enlevé les quelques membres de Yahoo de la liste, Yahoo irait aux élections municipales. Elle va affronter la résistance qui dit, n'allez pas, elle va dire, allez,
C'est du n'importe quoi. On n'est pas dans du bordel. La décision n'est pas du bordel. Si ça va être du bordel, alors on dit, ces personnes-là écrivent contre moi. Ils sont heureux d'écrire contre moi. Mais ils se trompent. Et j'ai oublié une citation de Mandela qui dit, l'honneur revient à l'homme qui, au milieu des injures, des salissures, de toutes sortes de malédictions, de diffamations, arrive quand même à porter le feu vert à l'histoire. L'histoire reconnaît les hommes braves qui ont essuyé toutes ces choses. Braves et honnêtes qui ont essuyé toutes ces choses. C'est dans Mandela, conversation avec toi. Donc, laissez, ils n'ont aucun argument. Aujourd'hui, moi, quand je vais plus de terre, je me suis tué. Une première fois, Madame la Présidente, chers collègues, lorsqu'ils ont voulu faire le mapping, FCB.